Would you be my Mr. Dun, 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 dun. I still got a lot of shit to learn. Ok, salut à tous et à toutes, c'est Reza. Aujourd'hui, nouvel épisode de Destiny 2, épisode 11. Comme je vous l'ai dit, je tourne mes épisodes à la suite, donc c'est normal que vous voyez au même endroit. C'est parti. Ah, oh, c'est excellent. Miaou. Et regardez mon gars. Allez, moi je vais faire mon taf, hein. Ah. Et le molosse, il est toujours là. Vas-y, prends le mec. Ah, merci. Je te suis reconnaissant. Oh là, t'as eu chaud. Je vais pas manger des missiles là. Oh là, je l'ai explosé. C'est excellent. Ok, merci beaucoup. Pourquoi tu vises tout par moi en fait? Yo, MS. Wouh! Salut, salut, salut. Je vais prendre ça moi. Hop. Petite arme. Vas-y. Oui. Hop, plein d'herbes d'énergie comme ça on a d'autres. Super, c'est parti. La lame d'air. Wouh! LOL. Hop. J'aime bien terminer. Mais toi, j'aimerais tellement te défoncer, mec. Tiens, prends. Prends ce pocket dans ta gueule. Oui. Nous avons détruit ce vaisseau tombé du ciel. Éliminer. Niveau 15. Un épisode commence super bien, je trouve. C'est excellent. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, c'est doux. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar, hein? Oh, mais tais-toi, toi. Nous avons détruit un vaisseau et un commandant. Allez, qu'est-ce qu'on est? Cap. C'est relativement impressionnant. Vous faites mieux que je n'espérais. Ouais. 155, 154. C'est. D'accord. 156. Ok. J'ai eu quoi d'autre ici? J'ai la fusion, non. Je commence à avoir beaucoup de masques. Hop, on va rendre tout ça. Oh mec! Mais qu'est-ce que tu fous toi? T'auras pas plus de trucs, tu le sais ça. Insta, mais il y a un autre événement public. Oh mais oui, oh là là, les gars. On s'enchaîne les événements. Oh non. Oh les putes. Allez, go, va là-bas. C'est cool, c'est cool. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon. Désolé, je dû faire une petite ellipse. Allez. En gros, vous me dites que quoi qu'on fasse, on n'a aucune chance. Au contraire. Maintenant que nous sommes réunis, nous avons peut-être une chance. Tout à fait. Mais si on détruit cette arme, ça déclencherait une réaction en chaîne qui pourrait changer le soleil en supernova.
Hey, au moins on est tous ensemble. En effet. Nous connaissons l'objectif. Il faut libérer le voyageur. Je pense qu'à nous trois, avec un tas d'explosifs, on devrait y arriver. Oh, j'ai toujours le téléporteur Vex. La portée est limitée, donc il faudra quand même se rapprocher un peu. Alors on entre dans la cité pour qu'il soit efficace. Mais sans lumière, lancer l'assaut sur le mur serait de la folie. À moins que... nous n'y survivrons pas. Ça peut se tenter. Comment y entrons-nous? Vous savez, le mur de la cité est comme cette étable. Plein de place pour se faufiler incognito. Il suffit de savoir où. T'es sûr que t'es pas une chasseuse? J'aime pas trop les capes. Ça se voit. Beau poncho. Il va falloir que votre équipe arrive à entrer dans la cité sans déclencher l'alarme. On vous aidera, mes troupes et moi. Et on est aussi plutôt doués pour tuer ces pourritures. Osorn, ce n'est pas parce que nous sommes prêts à y laisser notre vie que vous devez faire ce sacrifice. Vous n'êtes pas... une gardienne? Vous pensez avoir le monopole du sacrifice? Ou oubliez-vous qu'on doit survivre sans lumière toute notre vie? Il fut un temps où cette boule blanche dans le ciel nous aidait, nous aussi. Je crois qu'il est temps de lui rendre la faveur. Gardien ou pas. Super discours, mais n'oublions pas le risque de supernova et de destruction totale. Si on ne peut détruire le Tout-Puissant, il faudra désactiver le canon. Ça signifie envoyer quelqu'un de confiance à bord. Il faudra se camoufler pour pouvoir traverser la flotte Cabale intacte. Les Cabales stockent plein de vaisseaux dans une base à proximité. Mais ça va être dur de s'y glisser. Inutile de s'y glisser. S'il y a bien une chose que m'a appris Cade, c'est qu'il faut parfois forcer l'entrée. C'est super. On s'embrasse? Non? Non? Ok. J'aime bien Cade. C'est mon préféré. C'est toi. Vérification en cours. Lance requête. Oh, ça, ça va être okay, parfait, okay, ça. Ok. C'est merci, vraiment. Ouais. Hop. Salut. Je trouvais pas qu'on dirait que quelqu'un a croqué ses gardiens. On va démonter tout ça, le temps qu'on est là. Vous avez sûrement des messages. Oh putain. Ah oui, c'est vrai que c'est un légendaire. Du coup, quand on le démonte... ok. Quel est votre nom, gardien? Éclat légendaire. Vous avez obtenu des éclats légendaires. Vous pouvez les utiliser pour améliorer certains objets et effectuer des achats spéciaux auprès de certains marchands. D'accord, merci. On a masse thunes. Et non pas. Non, non. Ça n'a aucun sens ce que je. Que j'allais dire. Bref, on. Everversum est à votre service. Bah écoute, merci. Merci de votre visite chez Everversum. Bon. DSL. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je suis patient. Du coup, toi, bonjour, t'as quelque chose. Porteur de lumière. T'as quelque chose à me donner? Commençons. Non, toujours. Mais toi, t'es vraiment une pute, hein. T'as toujours rien à donner. Ça me rappelle l'histoire. Hey, Shax. Yo. L'épreuve vous lance un appel, gardien. Augmenter la réputation. De toute façon, ils servent quoi, à quoi d'autre? Voilà. Revenez sain et sauf, chasseur. Est-ce que t'as des bonnes armes? Tout devient plus intéressant quand on ajoute des explosions. Ah d'accord, t'es un psychopathe. Oh, il m'a l'air tout de même intéressant. Ouais, j'ai ma stune, t'en profiter. Allez, ah merde. Bon, je peux pas tirer, mais... Eh mec, enfin meuf. Vous vous souvenez de cette base cabale dans le coin?
C'est Humos, un des camarades de Gaulle et membre de la garde sanglante. Nous savons qu'il a accès au tout-puissant. Vous devrez donc vous écraser sur la base Du coup, le vaisseau de Humos pour vous glisser à bord du tout-puissant et le neutraliser avant qu'il n'explose. Maintenant, je lance requête. Rendez-moi service. Nous voilà là, ajouter, c'est quoi là? Parler à Cade. Oh, c'est intéressant ça. C'est spécial même. Parler à Ikora. Ah d'accord, je dois parler à tout le monde. Et j'allons mettre en état. Allez. Ok. L'épreuve terminée de partie dans le programme. Ah oui, c'est vrai, je dois faire des. Parler à Zavala, voilà. C'est... Ok. Et mec. À partir d'aujourd'hui, j'autorise de nouveau les missions d'assaut. Ces assauts formeront l'élément central de notre défense contre nos ennemis d'aujourd'hui et de demain. Nous récupérerons des informations sur eux, traquerons. Ok. Perdre la lumière fut dévastateur. Nous étions insouciants. J'étais insouciante, tenant mon pouvoir pour acquis. Plus jamais ça. Où que vous alliez, okay. Cherchez. Revenez sain et sauf. Et quel lui, il est toujours tout seul. Hein. Ça vous arrive de penser qu'il vaut mieux tout remettre au lendemain pour éviter les erreurs? Ouais, les et terminer avec moi aussi. Ah, je me suis porté. Bon, je ferai plus tard hein, tout ça. Moi, je vais faire l'effet du jour 4 heures, l'effet du jour 4 heures. Je voudrais pas faire de bêtises, vous comprenez? C'est si important. On l'utilise pour gérer des missions à travers tout le système. Okay. Les réapprovisions. Ah merde! Oh là là, je suis bête. J'ai pris un petit temps. Je suis là pour vous aider, l'ami. Bon, bref. De toute façon, je dois prendre tout, je pense. Voilà. Du coup. Ah mais c'est pas de titan, merde, c'est des planètes en fait. Est-ce que. Oui, bah on va partir. Devry, mon ami. On en a déjà parlé. C'est pas ton nom de famille qui est en jeu. Allez, allez, allez. Du coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Assaut. Oh, on peut faire des assauts. Ça va être cool ça. Et du coup. Wow. Je suis ça avant. Et bah voilà. On se lit. Ok. Viens sur tab. Alors c'est un événement public, rappelez le bulletin détecteur, mais... Éliminez-y, oui. Bon, je m'en fous. Non... Ah, il a l'air surpuissant. Nice, ok. Wesh alors. Il fait plus mal que mon ancien. Flèche brisée, relique de chasseur. Lors de... Oh, mais la flemme de faire des événements publics pour l'instant. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un boss. Nice. Oh, j'ai un molosse.
Maman. Allez, on va démonter un peu des mamans là. Il y a plein de top. Ok, ok. D'accord. Vas-y, je m'en fous de vous, les gars. Qu'est-ce qu'on a? Nice. J'aimerais bien aller chercher tous les coffres. Il y avait un coffre là. Il est où? Ok. Voilà. On va aller faire une petite quête. Alors, la main. Okay. Bon, j'espère que l'épisode va être encore plus long que l'ancien. Parce que quand même, ça serait bien cool. Allez au chantier, la mission s'annonce difficile. Alors j'envoie Holiday vous apporter quelque chose de spécial. Wow, quelque chose de spécial, vraiment, vraiment spécial. Passereau. Continuez à avancer. Entrez dans la base. Un vaisseau. À bord du transporteur Cabal. Nous devons atteindre. Bah Holiday, c'est la meuf qui gère les vaisseaux. Hey Zavala, j'ai quelque chose à vous demander. Lorsque vous avez dit à notre ami gardien ici présent, j'ai besoin de Cade. Est-ce que vous avez versé une petite larme? Holiday, où en êtes-vous? Il l'a versée, cette larme. Je ne suis pas encore tout à fait. Ma cargaison est plutôt lourde. Tais-toi! Donc, ah, c'est un vaisseau. Elle a dit la cargaison est plutôt lourde. J'aimerais bien un passereau. Pour aller plus rapide. Pour aller plus vite, ce serait cool, s'il vous plaît. Le mec il supplie, t'sais. Wow! Hey mec! Ne fais pas de surprise! Mais... Mais tu vas arrêter! Voilà, je suis énervé là. Et voici le draconien. Ah, j'en doutais. Vous nous offrez un char? Un torque? Pourquoi j'ai jamais eu droit à un char, moi? Je m'y attendais pas du tout. C'est vrai, ça. En plus, on a des loots. Oh là là, c'est beau. C'est quoi ce char de ouf, mec? Oh, attendez. Parce que moi, je sais pas piloter des chars à la base. Hein. Et ouais. Ok, tout est mort. C'est qui recharge? C'est moi ou c'est automatique? Moi, je pense que c'est automatique. Hein. Oh là là, les bouchers, mec, ils ferment leur bouche. Hein. Oh, attention à ma vie. Hein. Oh, tous les loots. S'il vous plaît. Oh, Mulos. Enfin, Mulos. Par contre, j'ai vu des trucs ici. On va voir ce que c'est. D'accord. Hop là. Oh, c'est un Mulos. Merde. Les Mulos ne sont pas utiles quand on a un char.
Allez, bon, maintenant, on va équiper notre cap. C'est la même, mais pas grave. Ça comme ça. Okay. Et c'est parti. Allez au transport de la Légion. Oh. Me fais peur, toi. Faites-moi signe si vous avez besoin d'un autre bolide blindé. Ah, j'en ai encore plein en réserve. Super. Alors moi, je n'ai droit à rien et eux, ils ont autant de chars qu'ils veulent. Je vois. Ah. Matériel pour des raisons aussi. Ouais, j'ai fait une nouvelle attaque. Attaque spéciale. C'est quoi en fait? Je sais pas ce que c'est. Je me suis mis là pour faire beau, mais. Ok. Bon bras. Oh. Coucou les copains. Ah, vous avez vu mon bolide. Oh, un molos. Eh, molos. Eh, wesh. Oh non, ça par contre c'est dangereux. Bon bah t'es là. Sors. Bon bah ouais. Ah mais... Bon bah je vais prendre un molos hein. C'est juste pour le kiff. Hop. Bon, il est déjà en feu, RT. Mais bon, c'est toujours utile. Hein. J'ai pas envie de mourir. Ah, mais il est juste en feu. Toi, par contre, je vais prendre ton molasse par rappel. Oh, t'es dans la merde. Non, je veux pas détruire son molas. Okay. Si je le détruis, j'en aurais plus. Mais oui. Quoi, t'es immunisé, tu vas me dire. Ouais, j'ai pété son bouclier. Hop, hop. Oh. Tu le désires, je te bute. D'accord. Ah, j'ai juste tué le mec. Invoquer le char partenaire. Oh! Si donné, si gentiment. Ah, mais moi je bute toi. Ah, wesh frère. Machallah. Voilà. Bon. Il a eu le temps de me tirer dessus, mais c'est parce que. Eh hey, mec. Faut rester à pied. Dessus. Il devrait y avoir un moyen de l'ouvrir pas loin. Oui. Faut le détruire. Ouais, mais comment je descends? F E. C'est une fois que je suis monté, je peux plus descendre, je pense. Attendez. Oh lolo, le micro et tout est tombé.
Ok. Du coup, si je fais... C'est où? Véhicule. Quitter le véhicule. Space. Voilà. On devrait trouver les commandes pour cette porte coupe-feu. Elle ne devrait pas être loin. Non mais là j'ai l'habitude d'avoir des obus à ma disposition. What? Il a la lumière ou quoi lui? L'enfoiré. Là. Le pauvre. Attention, les moteurs du transporteur viennent de démarrer. Va falloir se dépêcher un peu. Oui. Dumo, c'est dans ce transporteur. Il a ce qu'il nous faut pour entrer dans le tout puissant. Dépêchez-vous. Oui. Bah attendez. Hein. Je vais invoquer un nouveau comme ça. Hopla. Allez, c'est parti. Merde. Oh là là. Il faut passer par où du coup? Merde. Oh la bêtise. La bêtise. On va la bloquer. Oh, à chaque fois je regarde jamais la carte. Ok. Ok, toi t'es mort là. Oh, même tu me losses. Voilà, en plus tu me loutes un truc. Bien évidemment, la Légion Rouge aussi a des chars. Comme par hasard. What the fuck? Ah. Oh, t'es nul. Goliath, bah Goliath, mon gars il était plus fort. Oh le salaud. Oh le salaud, il m'a fait mal. Génial. Ils ont retiré le pont. On ne va pas pouvoir traverser. Oh, votre super char ne peut pas voler. Quel dommage. Garde sa rage, Kane. Mais t'as rien là, il se cache. Sale victime. Là. Ça me résiste. D'accord. Non mais ok. Y a pas de soucis. J'en viens de défoncer. Ok. Okay. Ouh. Comment je fais? Les gars, comment je vais faire? Mais non, t'es un malade. Comment je vais faire? Attendez, j'essaie de comprendre avant tout. Vous croyez que je peux y arriver? Ah. Bah non. Non, non. Comment je vais faire? Vous croyez que... Comment c'est possible? Il y a probablement un moyen de déployer le pont. Trouvons la salle des commandes. Ok.
Ok. Allez là-bas, obligé. Allez. Alors, si ce n'était pas pour me donner un char, pourquoi avez-vous envoyé notre gardien préféré me chercher? Votre capacité à mener des missions très productives et à haut risque. Je savais pas qu'il y avait. Admirable. Ah, what? Ça c'est sûr, mais avec un char, ça serait encore mille fois plus admirable. Moi j'ai l'impression que je bouge. Mais il y a une fenêtre. Oh là là! Vous avez... Oh là là, c'est horrible. Oh là, je suis vraiment bête. Hein. Mais j'ai pas de char. Eh ouais, mon copain. Ah bah, je vais prendre le molos. Ça te dérange pas si je te prends? Mais putain, mais le micro il tient même pas. Calme-toi Jean-Louis David. Oh là là. Allez. Niveau 16. Oh non. On se roquette. Ça c'est cool. Ah, je suis en train de faire mon stuff alors que le monde. Et voilà. Bref, allez. Il y a un petit tank. Et c'est parti. Pour zoomer sur vos cibles. Alors attends. J'arrive en char. Je vous extermine. Ça me plagia pas mal. Mais molos. Space. Motherfuckers. Bitch. Ouais non, mais en toute sincérité, je pense pas que je vais y arriver. Bon, par contre, le micro, tu me pètes les couilles. Bah voilà. Là, on va pouvoir terminer tout ça rapidement. Ça part au spawn, hein. Non. Ah, mais il y avait. Eh ben. Ah, si, ça respawn. Cool.
Mais mec. Voilà. Ah, il y a plusieurs tanks. Voilà. Tu fais un peu mal. Non mais attends. Ça va pas la tête. Oh là, comment est-ce qu'il est? Allez, détruis-toi. Space motherfucker. Zuke. Shit. Oh, okay. On va en reprendre un. Allez. Là on y va en mode bourrin. Là on... Là tu vas prendre tarif mec. Hey mec. Mais tu m'énerves toi à me bloquer hein. Mais non. Voilà. Allez, on est parti. En plus, j'ai un truc bleu là. Voilà, un petit gun. Passer, payer. Hop. Oh. Ah. Cool. Go. Nous sommes presque sortis des tunnels et nous approchons du transporteur. Bien, la seule chose qui nous empêche d'accéder au Tout-Puissant, c'est Thumos l'Indestructible. C'est qui? Il fait partie de la garde sans ordre choisie par moi en personne. La Légion Rouge mourrait pour lui. Ok. Pourriez-vous arranger cela? Oui. 47 minutes, mais dis donc, ça fait une vidéo d'une heure ça. C'est cool. Le transporteur a un bouclier. Oh. On va invoquer un nouveau char. Attendez, vous voyez ces générateurs? Il faut les détruire si on veut entrer dans ce transporteur. Ok, 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 ok. Je fonce. Ok, ok, ok. C'est cela? Non, c'est pas cela. Si, c'est cela. Non, c'est pas cela. Je pense que je peux descendre. Oh, c'est où? Détruisez le bouclier du transporteur de générateur du bouclier détruit. Mais je sais même pas où ils sont en fait, générateur. Voilà. Ah c'est ça. Ça fait un générateur de vie. Allez, 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 on fonce. C'est celui-là, ce nom. C'est une
Ouf. Je lui mets un combo. Allez, fonçons. Y retourner. Non, le bouclier est désactivé, mais le vaisseau est prêt à partir sans nous. Ne laissez pas ce transporteur décoller. Ouais. Quelques missiles bien placés devraient faire l'affaire. Oui, c'est vrai. Il est où? Merde, mais pourquoi je tire là? Il y a beaucoup de molosses là. Et j'ai plus de vie. C'est excellent. Oh, il y a des chars là. C'est excellent. Si j'explose, t'exploses avec moi. Là, là-bas. Oh, c'est un peu loin. Ouais, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Pour la gloire, bitch. Ok, ça fait aucun dégât. Allez, allez, allez. Vite. Hop là. Mais il va démarrer. Défoncez toi mec. Hop. Ah c'est là. Le transporteur ne risque plus de décoller. Trouvons Thumos. Bon travail gardien. Nice. Wouhou. Nice, nice, nice. Trop bien. Bon bah voilà, on a niqué un transporteur immense. On va pas se le, on va pas se le cacher. Hein. Non, on les a bien défoncé. Alors récupérer le butin du secteur oublié. Je vais devoir aller là-bas. Bon bah ça c'est pas de la mission principale, donc je vais le faire hors caméra. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était Risa. Et bye bye. Oh, oui. Oh, salut hein.